Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait des pentes ou des inclinaisons dans Minecraft. Allez, place à l'intro. Alors, pour ce faire, chers amis, j'ai 2-3 trucs à vous dire juste avant. Donc, stop, déjà. Et juste avant de vous présenter la base, je vous explique un petit truc. À la fin de la vidéo, il y a une petite partie puisque cette vidéo ne dure pas très longtemps. Donc, attendez la fin. Allez, commençons la vidéo. Du coup, voici quelques inclinaisons. Alors, les inclinaisons que je vais montrer démarrent de 0 à 45, puisque après, en fait, il y a juste à les inverser pour que ça fasse dans l'autre sens. Je me suis pas embêté, hein. Ils sont de 5 en 5, ce sont pas des mesures précises, je préviens direct. Donc, ça peut bouger 2-3 blocs encore, et ça a l'air d'être quand même assez précis quand on regarde. Donc, on va commencer par 0 degré, je pense pas que j'ai besoin de l'expliquer. Voilà, j'ai mis X bloc parce qu'en fait tu vas tout droit. Et t'as une pente de 0 bloc. Ça me semble assez logique. On est d'accord. Passons au 2. J'ai oublié de casser l'enclume. Ouais, c'est pas grave. Ensuite, pour le 5. Alors, comme vous pouvez voir déjà, il y a un petit décalage. Allez, alors c'est un décalage de 10-10. Alors, j'ai mis des 10-10. Voilà, donc j'ai mis deux chiffres. Quand il y en a 3, c'est qu'en fait, voilà. Là, je vais prendre l'exemple, voilà, celui-là, c'est, alors, 10 blocs. On monte d'un cran, 10 blocs. Voilà. Donc, c'est une pente à 5 degrés. Assez légère encore, ça va. Ensuite, nous avons 10 degrés. Alors, 10 degrés, c'est un peu plus compliqué, puisque vous allez voir qu'il y a 2-3 particularités. 6, 5. Car ça fait du 6 blocs, par du 5 blocs. 6, 5, 6, 5, 6, 5, etc., etc. Voilà. Voilà pour le 10 degrés. Passons au 15. Le 15 qui se fait avec du 3, 4, 4. Donc du 3 blocs. 4, 4, 3. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Etc, etc. C'est assez simple. Ensuite le 20. Le 20 qui se fait avec du 3, 2. Tout bêtement. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2. Voilà. Etc, etc. Ensuite, du 25 degrés. Allez, un peu plus compliqué, assez simple celui-là à se rappeler. Très simple puisqu'il est très souvent réutilisé. Et oui, c'est juste du 2. 2. 2, 2, 2, 2. Voilà, juste du 2. Et ça vous fait une pente de 25 degrés. Voilà. Ensuite, nous avons le 30 degrés. Donc le 30 degrés qui se fait comme ceci, avec du 1, 2, 2. Donc 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer à chaque fois, c'est le même principe. Mais alors, j'ai oublié de préciser, ces pentes-là, vous pouvez bien sûr changer de la texture. Hein. Je les ai fait comme ça, vous les faites comme vous voulez, ça me semble assez logique. Je vous montre ces pentes-là, c'est parce qu'ils sont à connaître un petit peu. Si vous faites par exemple du moderne, vous voulez faire des inclinaisons sur vos bâtiments. Ça peut être juste extrêmement joli. Donc voilà. Il faut savoir que dans celui-là, il me semble qu'il y a une pente qui s'appelle le 32. La pente du 32. Je l'appelle comme ça personnellement parce qu'en fait ça fait du 3. Non, du 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et en fait, très souvent on l'utilise quand on doit faire des constructions en 30 blocs. De 30 degrés. Puisqu'elle est assez simple à se rappeler. Mais 30 degrés, effectivement, c'est bien du 1, 2, 2, 1. Voilà. Donc faut s'en rappeler. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Ceux-là ils sont assez simples à trouver. Hein. Vous prenez. Je continue, je vous explique comment on fait. Ensuite du 35 degrés c'est du 2, 1, 1. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ouais. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Ça fait du 1, 2, 1. Donc du 1, 2, 1, 1. 2. Et ça reprend. Tac, tac. Donc, en fait, fallait que je fasse ça, je crois. Un truc comme ça, j'ai oublié de le faire. Ouais, bon. S'en fout. Je me suis foiré dans mon truc. C'est pas grave. Ça peut arriver. Ensuite, du 40 degrés. 40 degrés qui se fait, du coup, avec du 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Etc, etc. Après le dernier, est-ce que je suis vraiment obligé de vous le présenter parce que c'est quand même du 45 degrés. 45 degrés et tu fais juste une pyramide en fait. C'est du 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà. C'est pas très compliqué.
Donc maintenant, comment on fait pour du coup savoir pour faire justement une pente? Par exemple, comment j'ai fait pour trouver celui-là? Bêtement. Alors, j'ai pris une feuille à carreaux. Voilà, donc vous avez l'image devant vous d'une feuille à carreaux. Tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais prendre un quadrillage, ça sera plus simple. Ensuite, vous allez placer votre rapporteur, choisir l'angle que vous voulez, et tracer un trait. Paf! Sur l'angle que vous avez choisi. Et ensuite, vous rajoutez les carreaux. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez compris, voilà. C'est assez simple. Maintenant, j'ai deux, trois trucs à vous dire, donc je vais laisser parler une certaine personne. Voilà. Qui s'appelle A3Vidéo, en fait, c'est moi. Mais on va se retrouver dans l'univers de Minecraft. Allez, moi je vous dis à tout de suite et place à la pub. Et du coup, chers amis, on se retrouve dans l'univers Minecraft. Comme vous avez vu, c'est peut-être le fond justement de la vidéo. C'est quoi YouTube? Et effectivement, cette vidéo était sortie de nulle part, je vous ne l'avais pas prévu. Mais j'aimerais vous dire 2-3 trucs, car ça va bouger entre-temps. Ce mois-ci est un peu particulier pour moi. Tout d'abord, l'ouverture de mon site web, où vous pouvez aller vous proposer vos idées pour cette série A3Vidéo. Ensuite, mon Twitter. Donc vous pouvez aller rejoindre mon Twitter qui est pour le moment A3.cube, mais je pense qu'il sera changé entre-temps. Donc voilà. Second temps, nous approchons bientôt des 25 abonnés. Et je voudrais déjà vous en remercier. Parce que j'ai franchement, depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai un abonné presque toutes les semaines. Et ça ne cesse d'augmenter petit à petit. Donc moi j'aimerais juste vous dire un grand merci à vous. Je pensais pas que cette série allait marcher autant. J'ai juste affiché un commentaire derrière moi. J'aimerais remercier ce youtubeur. Et franchement, allez voir son court-métrage, il est très très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Et bref, allez voir mon site, allez voir sa chaîne, lien dans la description. Allez sur mon Twitter, j'ai aussi un Discord. Donc vous pouvez venir me parler sur Discord, effectivement. Je crois que j'ai à peu près tout dit. En gros. Et aussi un grand merci du coup aux presque 25 abonnés. Alors où je vous parle. Voilà, donc comme vous savez, peut-être sur ma chaîne, on peut pas voir les abonnés, il n'y a que moi qui le peux. Je vais débloquer ça dès que j'ai 100 abonnés. Donc moi j'ai juste envie de vous dire hashtag 100. Allez. J'ai 2-3 trucs à vous dire bien sûr. Mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Surtout si vous voulez voir plus de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, n'oubliez pas les amis, le build, c'est bien. Et à la prochaine!